Bonjour à tous, bienvenue sur Farming Simulator 2017 sur la map Selby Farm pour notre série La Ferme de la Semaine. Donc aujourd'hui, on a changé de carte. Hein. Le nom dans la vidéo, Selby Farm. Donc vous verrez, vous aurez peut-être, pour ceux qui l'ont vu, la vidéo, la miniature. Voilà. Donc je vais vous faire la présentation du matos que j'ai changé. Donc j'ai vendu la presse ronde pour une presse carrée, pour une balleuse carrée, rectangle, si vous voulez, la Quadrant 2200. On a toujours notre fameux 4x4. Voilà. On a toujours notre semoir. J'ai changé le cultivateur qu'on avait, Pottinger, pour celui-là. La charrue. Alors la charrue, je la garde pour l'instant. On verra bien. Donc voilà. Après, parce que là on est dans les parce que j'ai avancé un peu dans la map pour que ce soit propre, pour que ce soit nickel pour vous accueillir dans la map. Donc ici, j'ai acheté une section 600 avec une barre de coupe de 6 mètres, je crois. 6 mètres ou 6 mètres 50, un truc comme ça. Avec la 750. Voilà, j'ai acheté une moissonneuse maintenant. Voilà. Alors. Ah. Voilà. Donc, on a changé. Alors, la masse, c'est toujours dessus du comment s'appelle? Du DUT. Sauf que j'ai changé la couleur au lieu qu'il soit noir, il soit gris pour la couleur du tracteur. Donc le tracteur, c'est un jeune dire un amassé 7726, donc configuration max, je crois qu'il fait 280 chevaux. Donc voilà, il a laissé, lui il est bien, lui c'est mon coup de cœur, mais il y en aura un autre qui va venir peut-être plus tard, on verra. Donc j'ai mis les masses d'équilibrage, donc tu vois, voilà, vous voyez, j'ai essayé qu'il soit sorti. Alors il est noir, il est pas rouge, je sais, il y en a qui vont critiquer un peu, vont dire ouais, mais il est rouge, ça fait dégueulasse comme ça. Mais c'est moi qui l'ai acheté, c'est moi qui l'ai personnalisé, tant mieux. Alors, celle-ci, je l'ai louée. C'est la Benne Roland, je l'ai louée. Pourquoi? Parce que j'ai acheté une Deezer. Alors, voilà, j'ai pas le speed player. Voilà. Bon, je vais vous la montrer directement. Elle est où? Je suis ici, la Benne est là. On va aller au champ ici, là. Rendre visite. Hop, 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 hop. Vous la voyez, elle est là-bas. Donc c'est une 30 tonnes, un truc comme ça. Je vous la montre. Voilà. On avait la campagne qui faisait 36 tonnes, je crois. Et celle-ci a fait à peu près 30 tonnes, il me semble. Alors, on va voir dans les shops. C'est une 3 essieux des heures. Alors. Non, elle en fait 24. Ouais, l'autre, elle en faisait, je crois, 30 ou 36, un truc comme ça. Trois essieux. Donc voilà. Nous avons. Alors. Désolé, je suis un peu enrhumé. Donc l'ensileuse, je l'ai louée. Voilà. Je l'ai enlouée parce qu'on va faire de l'ensilage tout à l'heure. Et on aura du ramassage de bottes si on a le temps. Donc. Avec les moyens qu'on a pu, on a pu changer. Donc, on a toujours notre TM. Alors, j'ai voulu changer. Je voulais changer contre un celui-là. Je vais vous montrer dans les magasins. Alors, je voulais le changer, le changer. Il est où mon fameux tracteur? Lui-là. Mais sans, bon, 130, 137 000, sachant que je vais le mettre en hydraulique, chargeur avant. Et pneus, je crois que je vais mettre avec les masses d'équilibrage. Donc ça fait 145 000. Sachant que le TM, je le revends ici 80 000. Donc je pense que je vais gagner peut-être 100 000 et il faudra qu'on dépense 38 000. Sachant que la banque nous a prêté le max, je crois. Oui, voilà. On nous a prêté le max. Bon, maintenant on se démerde. Donc voilà.
On va faire une benne ou deux d'ensilage. Donc, voilà. Allez, hop. J'espère que le son est pas trop fort pour vous. Alors j'ai pris la lancileuse, celle du jeu. Ah, j'ai des erreurs de log. J'espère que ça pas foutre la merde. Alors, on va le baisser à 4. Son de véhicule. On va mettre le frein à main. Bon, je vous ai enfin retrouvé. Bah, pas enfin retrouvé, mais j'ai dit je vais finir ce qu'il y avait sur la grille aussi pour qu'on puisse. Qu'on puisse aller sur la nouvelle map. Donc nouvelle map, donc du nouveau matos, d'accord. Alors le follow me, vous inquiétez pas, qu'il fait comme ça, je pense qu'il y a un petit problème, soit il l'a bu en soirée, j'en sais rien. Donc, voilà. Ah aussi, vous savez, depuis la ferme, le forestier, l'épisode 3, de toute façon je vous l'ai dit dans la vidéo, que maintenant vous pouvez me faire un don si vous avez envie, la somme que vous voulez, j'en ai rien à foutre moi. J'en ai pas rien à foutre, ça va peut-être servir pour autre chose, mais au moins... on pourra s'acheter. Je pourrais vous faire gagner des petits trucs. On verra ce qu'il y a, comment les moyens font. Donc voilà. Ça va plus vite hein, parce que j'avais fait que la petite ensileuse, mais j'ai dû traficoter un peu l'argent. Ah oui, l'extérieur, hop là. Comme ça, on pourra. Je pense que d'ici, allez, 2-3 épisodes, ouais, soit dans le prochain épisode ou dans d'autres épisodes, je pense qu'on va avoir très bientôt les vaches. Dites-moi ce qu'il faudra faire comme culture, parce que je vais travailler mes champs. Bon. Pas ce qui rapporte au niveau argent, mais niveau comment je pourrais vous dire, niveau on va dire une somme globale d'argent pour essayer d'avoir beaucoup d'argent et pouvoir rembourser un peu le prêt. Dites-moi. Voilà.
Qu'est-ce qui m'a foutu? Ah mais oui, j'ai pas enlevé le frein à main à l'autre. Allez, avance. Il doit capter autre chose, on sait rien ce qu'il doit capter, mais... Vas-y, passe. Donc j'ai pris une deux essieux hein, pour le tracteur. Une 40 tonnes. En location. Oula. Bon, ça fait rien. Hein. Donc j'ai rajouté d'autres trucs aussi. J'ai rajouté... J'ai rajouté. Il doit être plein, non? Ah non, il n'est pas plein. Elle est chiante cette benne. Je suis un peu enrhumé, genre. Ce sera un épisode de 20 minutes. Je pense que c'est vide, non? C'est plat ou pas? Désolé pour le son. Un peu le son du tracteur comme il faut à les gyros. Ouais, c'est bon, elle reflète derrière l'armoire, c'est bon. C'est une map bien vallonnée hein, comme vous voyez, comme la miniature vous montre. C'est une belle map hein. Ça donne envie les photos que vous faites. Et merci aux deux abonnés. Donc merci au deuxième abonné qui s'est venu dans ma chaîne, qui s'est abonné à ma chaîne. Je t'en remercie. Je t'ai pas ton nom parce que j'ai oublié de regarder avant, comme un boulet. Mais bon, comme on dit, un boulet reste toujours un boulet. Bon, voilà. On va faire la dernière benne de ce village. Je la ramènerai au champ. Oh, j'avais failli louper. Alors faire gaffe sur cette map, on roule à gauche. Hein. Non, on roule à droite. Attends. Non, on roule à gauche. Voilà. Et on roule à droite, c'est les Français. Donc. Alors c'est une belle map. Je pense que niveau bâtiment, j'en ai assez. Je pense que vous êtes pensé, mais où est... Bah, je passe avant la voiture, moi, parce que j'ai une grosse benne. Je pense que vous devez vous demander, mais les bottes que j'ai fait, ils sont où? J'ai oublié de vous les montrer. Mais ils sont dans un hangar. Alors, il y avait, je crois qu'il y avait 20 ou 25 bottes de foin, de paille.
Et le foin, il en avait très peu, je crois qu'il y avait 10 bottes à peu près. Bah du coup, j'en ai un peu plus parce que j'ai dû acheter les bottes dans le magasin. Donc du coup, j'en ai à peine plus. Ah, j'ai oublié, il y a aussi le plateau, je pense pas que vous l'avez vu. Bah, vous voyez, les silos sont hyper grands. Avec une masse d'équilibrage, ça va beaucoup mieux avec un. Alors je mets ça. Je me mets à 4 km/h. Désolé pour les coups de lag. Je testerai en off. Maintenant, on va aller sur le TM. Attention. Voilà le TM. Donc, le plateau, je vous le montre après. Savoir, j'ai pressé champ. Ah putain, j'ai fait pas mal de bottes. Non, 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 non. Du coup, c'est chiant parce qu'il est nerveux ce tracteur. Bon, ça fait rien. Et voilà, donc voilà le petit plateau. Bon, il faut savoir que je fais tout en off, hein, les gens. Bon, c'est pas rangé, rangé, de surranger, mais bon. Mais oh là. Donc le c'est un l'air. J'ai pris un petit plateau l'air, hein. J'ai trouvé. Ah mais la masse elle est. Donc voilà le plateau. Un plateau l'air. Alors attendez, hop. Et là, il y en a un autre, là. Voilà, faut faire comme ça, si vous avez ce type. Ah oui, relever la béquille. Et je crois que c'est V, non? Ouais, c'est ça. Bon, ça on va ramener à la ferme.
Alors j'ai pas le Gearbox, pourquoi? Il y a des erreurs. Je comprends pas. Là j'ai nettoyé un peu mes mods, parce qu'il y avait des mods inutiles, etc. que j'ai nettoyé. Ça va. Donc voilà, la ferme principale est là-bas. Mais nous on va aux vaches. Donc on a un peu de route à faire. Voilà, puis on va se quitter là. Alors j'ai pris un petit plateau. Je le ferai en off. Faut savoir, ce tracteur, il a 10 heures déjà. Ah, déjà. Donc nous, on va s'arrêter là parce qu'il y a le machin qui s'est affiché. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire positif, négatif. N'hésitez pas à mettre un j'aime positif ou négatif. Hein. N'hésitez pas à poser des questions et n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à faire un don si vous avez envie. Moi, je vous force pas. Donc voilà. Nous, on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo et à justement.